Sargeta Puku Muso Fudane Kibu Nyoraikyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Donc, je poursuis un petit peu ce qu'on avait commencé le mois dernier, le grain de riz dont on a parlé l'autre fois. Et pourquoi ce grain de riz? Parce que j'avais cité cette phrase de Maître Dogen qui nous dit « Quand vous regardez, alors quand vous regardez profondément, pour dire taille, avec un regard juste, vous verrez que ce grain de riz est l'absolu. » Donc on avait commencé à parler de ce monde dans lequel nous vivons, qui est à la fois l'absolu, pourrait dire vacuité aussi bien, mais aussi le monde des phénomènes, ce qui fait qu'à la fin, le grain de riz, hop, vous allez le mettre dans l'eau et vous allez le faire cuire. Donc Maître Dogen nous incite à toujours bien regarder les deux côtés, les deux aspects. Ça veut dire ne pas rester accroché à l'absolu, mais ne pas rester non plus dans les phénomènes comme existant en soi, séparés des autres, séparés de soi. Donc tout cela, absolu et phénomène, c'est l'univers dans lequel nous baignons, et c'est ce que nous dit le sutra de la grande sagesse, la forme et le vide et la forme, et de façon concrète, le regard juste nous fait voir cela, même dans un grain de riz. Et comme illustration, j'avais cité cette phrase de Maître Dogen. Alors tout ce que je cite là en ce moment de Maître Dogen, c'est tiré d'instructions pour la cuisine dans les temples zen, ou instructions pour le tenzo, tenzo c'est cuisinier, des temples zen de Maître Dogen. Il disait « En lavant le riz, ôtez le sable que vous trouvez, mais sans perdre un grain de riz. Lorsque vous regardez le riz, voyez le sable en même temps, et en regardant le sable, voyez aussi le riz. Examinez bien les deux. » Alors évidemment, à cette époque, le riz était plein de petites choses à enlever, des petites pierres, du sable, des petits insectes, sais-je. Et Maître Dogen nous montre qu'on a besoin de discrimination. Alors, on va dire discrimination un petit peu par provocation, parce que c'est un mot qui existe. Et ça veut dire qu'on a besoin de choix, on a besoin de trier, on a besoin dans le quotidien de séparer le riz du sable, dans le monde des phénomènes, dans le monde quotidien. Donc, en même temps, Maître Dogen nous dit « Regardez les deux ». Alors, j'ai trouvé deux histoires qui illustrent cela. La première, toujours dans les instructions du temple, c'est le supérieur, c'est le maître Tozan Ryokan qui voit le cuisinier. Alors, on imagine que c'est peut-être un être cuisinier, un tenzo un petit peu jeune, en train de laver le riz et de trier le riz et le sable. Et il lui demande « Est-ce que vous lavez le sable et triez le riz ou l'inverse ?»« Je lave et je jette le riz et le sable ensemble, » répond le jeune Tenzo. « Mais alors, que mange la communauté ?» insiste Tozan. Et pour toute réponse, le moine jette, renverse le seau. Devant ce geste, Tozan lui dit « Un jour viendra où vous pratiquerez avec un autre maître. » En fait, ça m'amuse parce que quand je pense à cette histoire, je me dis « Et qu'est-ce qui se passe après ?» Alors peut-être j'ai des esprits un peu trop pratiques, surtout pour le tenzo, pour les koans, mais je me dis « Et qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que tout reste comme ça ? Et la communauté ne va pas manger ? Et alors les moines, tout l'après-midi, vont jeter des regards noirs au tenzo, et puis il va avoir le vent qui glougloute pendant zazen. Ou bien est-ce que le tenzo, il va devoir ramasser pendant des heures, grain à grain, le riz et avoir le nez dans le phénomène, ce qui va sûrement lui faire du bien. Mais bref, donc il jette l'eau et le riz et le sable, il jette tout. Et selon mon interprétation, ce jeune moine, il est encore
attrapé par quelque chose. Il est attrapé par l'idée de la vacuité et puis aussi l'idée d'un geste bien théâtral comme ça, bien zen. Donc, il, si bien que quand on lui dit finalement, tu vois, tu tries, tu fais une discrimination, il dit ah non, pas de discrimination, il jette tout. Et le moine voit que, le maître, pardon, voit qu'en quelque sorte, ce jeune moine, il n'est pas bien cuit, il n'est pas libéré de, à la fois de son image de soi, je dirais, et non plus de sa compréhension. Il y a encore une étape à franchir en quelque sorte, et peut-être qu'il le fera mieux avec un autre maître. Et cette idée d'être en quelque sorte coincé comme ça dans la vacuité, ça me rappelle les personnes qui disent « moi j'arrête Zazen parce que j'arrive pas à ne pas penser ». Et ils sont persuadés que Zazen c'est l'absolu, c'est ne pas penser, et que si ça marche pas, eh bien il faut mieux arrêter Zazen. Alors bien sûr ça n'a pas de sens, parce que tant qu'on est vivant, le cerveau va sécréter des pensées. Et ne pas penser, ce qu'il cherche, ce n'est pas du tout la même chose que ce que Maître Dogen et les maîtres du Chan appellent non-penser. Non-penser, ça veut dire que vous êtes en zazen et quand les pensées surviennent, parce qu'elles vont survenir comme ça toujours, quand ces pensées surviennent, en fait, vous ne les suivez pas. Si vous suivez à un moment votre esprit, vous allez voir, une pensée amène une pensée, c'est comme une chaîne, vous voyez, c'est comme si c'était une chaîne, une pensée vous fait penser à autre chose, vous pensez à autre chose, etc., etc. À un moment, oh, vous avez vraiment envie de rentrer dans cette pensée qui est très agréable de ce que vous allez faire ce week-end et tout ça, et à un moment, vous allez rentrer dans une pensée très désagréable, vous allez essayer de sauter sur une autre pensée, etc. Voilà, ce travail constant, ça c'est notre pensée qui est... comment dire, différent pendant Zazen, parce que pendant Zazen, la non-pensée, c'est accepter ces pensées qui vont apparaître et les laisser disparaître, sans les suivre, sans les développer, sans rechercher celles qui sont agréables et fuir celles qui sont désagréables. Donc Zazen, ce n'est pas ne pas penser, mais c'est cette non-pensée qui laisse apparaître et disparaître les pensées. Donc non-pensée et pensée, ces deux ensemble, ça c'est notre Zazen. Donc à un moment, il faut bien regarder chaque chose, on va voir les phénomènes et on va voir la vacuité aussi. Et au quotidien, on va travailler avec les phénomènes. Et pourtant, j'ai un autre exemple. Je ne sais plus de quel recueil je l'ai lu, mais là c'est différent. Le supérieur d'un temple va dans la réserve où sont toutes les choses du temple et il voit quelques grains de riz par terre. Tenzo, comme ça, et le Tenzo, alors c'est un autre Tenzo, alors il a bien avancé, le Tenzo il est plus futé, il regarde le maître avec un grand sourire et il lui dit « l'univers est sans limite ». Il est en train de lui dire « ne restez pas dans les phénomènes, ne restez pas dans les phénomènes qui sont sous votre nez, les phénomènes c'est sans limite, peut-être que ces grains de riz, ben de ces grains de riz va naître une rizière, on ne sait jamais. Peut-être que ces grains de riz vont permettre à une famille de souris de passer l'hiver. Peut-être qu'un oiseau va les emporter ailleurs, etc. Donc ne tombez pas ici dans la vacuité et ne tombez pas là seulement dans les phénomènes. Donc il faut laver le riz et jeter le sable. Et pourtant, les Nikaya, c'est-à-dire on trouve dans les sutras anciens, des sutras indiens, une histoire où le Bouddha qui marchait avec son bol en quête d'aumône un jour, un enfant s'approche, il n'avait rien cet enfant, et il met une poignée de sable simplement dans le bol du Bouddha. Et le Bouddha lui dit, tu seras un jour un grand roi et tu aideras la Sangha et le Dharma. Et cette personne de revie en vie, en fait, fut Ashoka, le grand roi indien qui a aidé au développement du bouddhisme. Donc voilà, tout c'est clair. Donc, puisque tout s'éclaire, un dernier koan tiré du recueil de la falaise verte. Maître Seppo dit devant l'assemblée des moines, « Quand vous attrapez l'univers entier avec vos doigts, il a la taille d'un grain de riz. Jetez-le devant vous. Si vous êtes dans le noir, si vous ne comprenez pas, battez le tambour pour que tout le monde puisse voir. Jetez-le devant vous. Jetez quoi ?» Ah, si vous ne le voyez plus, c'est peut-être qu'il n'y avait rien à voir. Peut-être que vous pouvez appeler tout le monde pour voir qu'il n'y a rien à voir. Et pourtant, à la fin, vous allez devoir laver votre bol. Et aussi, offrir l'encens, remercier les Bouddhas et se tourner vers tous les maîtres avec gratitude.
par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil complet. Mû par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant le Bouddha, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil complet pour aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. On se tourne vers les maîtres. En fait, il n'y a pas de journée spéciale pour la gratitude. Chaque jour de notre vie, c'est la gratitude dans laquelle nous vivons. Kisawa Roshi Sama, Mimpu Iyan Daiwasho, Niwazenji Sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi Sama, Hakusan Gojun Daiwasho, Moriyama Roshi Sama, Horin Daigyo Daiwasho. Hōrin Daigyō Daiwasho, Hōrin Daigyō Daiwasho. Jizo Sama, Onkaka Kamisamae Soaka, Ommaka Keraya Soaka, Oyou Gozaimasu. Merci beaucoup et à tous un bon week-end dans la joie du Dharma, en espérant que lundi, la Wi-Fi veuille bien marcher. Merci.